visiteurs dévaquis et découvrez comment Utonie vient pister Venarus. Règle numéro 4. Toujours avoir une liste de ceux qui pourraient vouloir mettre fin à vos jours. Et si vous êtes sur la mienne, n'allez pas prendre la grosse tête, vous êtes tout en bas. Tout en haut de ma liste figure un inquisiteur qui a gagné plusieurs places. Si son existence venait à prendre fin par votre faute, je saurais me montrer généreuse. Ah, bon. Là, j'ai plusieurs choix, mais on peut... C'est une quête secondaire. On va se concentrer sur la campagne. Hein. Voilà, les quêtes secondaires, je vous dis, je les ferai, mais hors caméra, ça. C'est pas primordial. Parce que là, j'ai l'impression vraiment que ça va être vaste. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va pas en voir la fin, quoi. C'est assez ouf, d'ailleurs. On va faire 300 épisodes de WoW. Va y avoir 300 heures de vidéo là-dessus. Enfin, bref. Ouais, attendez, je fais ça, moi, mais... Attendez, attendez, attendez. Non, attendez, attendez, je me suis trompé. C'est pas par là. Parce que là, je suis bien à Tourment, mais il me dit de pas passer par là. Attendez, là, je comprends rien là. La prison oubliée. Dans l'antichambre de tourment. Donc il me faut les. Il me faut de l'anima. Enfin, il me faut des braises d'anima. Parce que l'antichambre, on est d'accord, elle est là. Me prendre mes souvenirs, j'ai bien peur qu'il n'en reste plus de bien utile, sauf si vous voulez des souvenirs de mon emprisonnement, ou alors c'est autre chose qui vous amène. Nous arpentons les fragments du souvenir de ses sbires. Oh non, non, vous êtes autre chose. Une créature mortelle, hein, qui se promène dans l'antre et qui vient jusqu'à ma prison pour... quoi? Me libérer? Se servir de moi? Lui s'est servi de moi, le geôlier, comme il aime se faire appeler, pour fabriquer... pour fabriquer... je ne sais plus... il m'a arraché mes souvenirs. Il m'a utilisé avant de m'abandonner ici... Depuis quand déjà? Peu importe. La mort n'est pas sujette au passage du temps.
Mais vous êtes libre de vos mouvements. Sans entrave, vous pourriez me libérer. M'aider. Oui, comme je vous aiderais. Nous sommes liés par le destin. Let's go. Je me souviens de vous. Si vous parvenez à me rapporter mes souvenirs, je pourrais vous aider. Enfin, je crois, il sera alors possible de vous aider, de nous aider mutuellement. Retrouver les souvenirs dérobés du Rhonomancien. Je sens venir le coup que c'est ce mec-là qui a créé qui avait les plans du homme de domination et de givre. Ok. À chaque fois j'oublie. Hein. C'est terrible. Hein. Pas pouvoir utiliser ces montures, c'est quand même terrible. Ah oui, et puis c'est pas à côté, hein. 400 mètres. En monture, ça serait vite fait, mais là, à pied, c'est chiant. C'est quoi tous ces trucs? À m'emprisonner. Ok, d'accord. Il y en a un peu partout en fait. Bon, on verra bien. Bon, tant qu'on est, on va en profiter, on va faire. Ah. Bah oui, bon, on va en profiter, on va aller faire ces deux quêtes-là. Hein. On va les faire rapidement. Oh, c'est loin, c'est loin, c'est tellement loin.
Ouais, on va peut-être pas passer par là. On va dire que la tension du geôlier est palpable. Remarque, je peux utiliser le truc de rappel hein, pour revenir quand je veux. Hein. C'est vrai qu'il y a ce truc-là. Hein. Merde. Oh, j'y crois pas, je vais mourir comme ça. Ah oui. Ok. J'ai pas bien saisi pourquoi j'étais revenu à la vie directement. Oh merde. C'était l'inquisiteur. Je l'ai raté. Un joueur l'a buté avant moi, du coup je vais devoir attendre. Je vais devoir attendre qu'il respawn un petit peu. Et bon bah. Faisons le point rapidement sur le stuff. Ah bah oui, je peux pas, je peux pas. Je peux pas invoquer ma monture pour le stuff. Allez. Ah. Ah, d'accord, ok. Bien.
ensuite, c'est une petite quête de farm. Pas petite. Mais oh. D'accord, ok, faut rester en mouvement. Hein. Je vais essayer d'éviter parce qu'il est inutile. Là, c'est pas grave. Ça va me servir. Voilà. Les mobs ont été réinitialisés de place. Là, j'y crois pas. Pile au moment où. Il m'en reste combien? Il m'en reste qu'un de fin tireur. Du coup, on va plus se concentrer sur les entraveurs.
Wow, 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 wow. Oh putain, je vais mourir. Faut vraiment que je fasse plus attention à la vie de mon marcheur. Parce que quand il meurt, en fait, je m'en prends plein la tête. Ok, il me reste un entraveur à tuer. Ben voilà. Et enfin tireur. Vous sentez les assauts de l'antre contre votre esprit? Ça fait des années que mon cartel envoie des agents dans l'antre. C'est une mission dangereuse, mais nous ne résistons pas à l'attrait des informations sensibles. Ah, cher partenaire, voyons... Oh, ça me saoule ce bug. Oula, pourquoi ça a bugué? Vous avez trouvé quelque chose d'intéressant sans entrave? Règle numéro 5, vous avez su nous montrer, vous montrer plutôt efficace comme associé démoniste, et pour vous exprimer ma gratitude, je vous ai fabriqué un cryptogramme qui devrait vous permettre de pénétrer plus avant dans l'antre. Cependant, c'est un prototype expérimental et il va falloir tester sur le terrain, mais j'ai un plan, le cartel a eu la prudence d'envoyer des agents supplémentaires dans l'antre et ont été capturés et emmenés au fort de la perdition, et je dois savoir pourquoi. Pénétrer dans l'enceinte du fort, puis tenter de découvrir ce qui est advenu des négociants capturés. Il est vital que nous connaissions les projets de nos ennemis. Enquêter sur le surcroît d'activité observé au fort de la perdition. Mais comment ils ont pu envoyer des mecs si en fait il y a que l'immortel en fait qui peuvent sortir de l'antre. Il y a que moi en fait en vrai qui peut activer la pierre pour sortir de l'antre. Enfin, si t'envoies quelqu'un dans l'antre, il peut théoriquement pas en sortir. Il y a que j'avais pas vu ça. Oh, ça va, c'est calme. C'est pas encore accès au fort de la perdition. Ah oui, d'accord, ok. Règle numéro 5. Savoir faire preuve d'audace quand la situation l'exige. Les entreliges s'y attendent rarement. Il règne une grande agitation au fort de la perdition.
Je veux savoir pourquoi. Prenez donc ce nouveau cryptogramme. S'il marche comme prévu, poser le pied dans le fort ne devrait pas vous valoir une mort immédiate. Bon. Ok, donc ça, ce sera... ce sera pour une prochaine fois, ça. Hop, on a... information retrouvée, donc ça, on repart dans Tourment. Mais, on n'est plus dans le... Tiens, je suis où, là, techniquement? Ouais, en fait, je suis là-dedans, ok, d'accord. Donc, en fait, il y a un lien pour... Symptôme de la domination. Non, c'est pas là. C'est à droite. Oui, cela me revient, le pouvoir, un pouvoir délibéré, voilà ce que je peux vous offrir. Les runes dont sont la clé, je me souviens de certaines d'entre elles, mais j'aurais besoin de mes mains pour en imprégner votre équipement. Enfin, une main suffirait, mais je préférerais les deux. Trouver un moyen de me libérer de mes chaînes mortelles et je pourrai vous offrir le pouvoir que vous recherchez et ensuite à moi la liberté et peut-être ma vengeance contre celui qui m'a emprisonné. Trouver un moyen de dégager le runomancien de ses chaînes. Ces salles abritent des horreurs qui dépassent l'imagination. Donc si ça, ce sont des quêtes de campagne, ça, hein, c'est... C'est le destin qui fait ce croisement. D'accord, faut que je retourne à Oribos. Moi, je peux retourner à Oribos, y'a pas de soucis. Ah, attendez. Venez vous faire affaire ou me faire perdre mon temps? Je ne voudrais pas vous retenir. Moi, j'ai tout le temps du cosmos.
Pour commencer, il vous faudra de quoi recueillir de l'anima. Vous devez également trouver un moyen de le libérer. J'ai justement ce que vous cherchez. Je serai ravi de vous le donner. Si vous y mettez le prix, bien sûr. Vous vous souvenez du chaudron de Zoval. Ses habitants ont été forgés dans les flammes impies. Et si leur anima est de la même nature, même les métaux de la tour ne pourront lui résister. C'est mon appareil et leur anima en votre possession. Avec mon appareil et leur anima en votre possession, je suis sûr que vous parviendrez à vos fins sans entrave. Achetez un suppressifieur d'anima et collecter 5 anima en fusion. Dans l'ombre, il ne faut pas croire tout ce qu'on voit. N'allez pas attirer l'œil du geôlier. S'il n'y a rien d'autre sans entrave. C'est bon, je peux l'acheter. Ne revenez que si vous le devez vraiment. C'est loin? Non, c'est pas loin. À mon avis, il devait y avoir deux manières différentes, une à Oribos et une ici. Je choisis celle-ci, quoi. Ouais, je vais plutôt passer par l'autre côté, apparemment. Ça arrive au même. Oh, zut, je suis désolé. Un instant. Excusez-moi, je me suis fait attaquer en même temps que je me faisais que mon téléphone sonnait. Du coup, ouais, ça va, pas trop de casse. Du coup, on devait buter des mobs. Hein. Je pense qu'on va suivre les joueurs. Hein. Alors ça, je pense que c'est pour plus tard. Mais bon, en soi. Si on peut participer. On participe. Ouh là là. Oh merde. C'est bon.
suis hors de portée. Je pense que c'était pour plus tard, hein, le gros mob là, mais c'est pas grave, au moins c'est, il avait une de l'anima sur lui. Bon, c'est bête. Personne ne vous a suivi, j'espère. Je ne voudrais pas vous retenir. Bon. Cela devrait suffire à briser les chaînes de notre allié. Mais avant cela, je tiens à vous mettre en garde. Ne faites jamais confiance à une créature emprisonnée dans cet endroit. Soyez prudent, mortel. Après tout, il serait fort dommage de perdre un associé aussi précieux que vous. Libérez le renomancien. Bah oui, c'est que si ce mec a créé le homme de domination, y a un risque, quoi. Dommage, ça n'aura été qu'une chaîne. Cet endroit résonne de tant de légendes. Cet endroit résonne. Oh putain! J'ai même pas le temps de cliquer sur les quêtes. C'est le destin qui fait se croiser le chemin. Les premières étapes pour obtenir ce pouvoir consistent à récupérer quelque chose. Attendez, oui, ça me revient. Donc des cendres d'âme, ok. Toujours plus loin et rapporter les vestiges des âmes égarées. Les derniers composants nécessaires sont des vecteurs uniques, des pièces d'armure qui contiendront le pouvoir dont elles sont imprégnées, mais aussi des pouvoirs, non des missives
Oui, c'est ça, des missives permettront à votre objet de renforcer votre propre potentiel, mais les deux doivent être différents, ils ne peuvent pas apporter la même amélioration. Tout cela peut être obtenu grâce à des âmes disposant des bonnes connaissances en artisanat. Et enfin, il me faut également recouvrir mes souvenirs, des souvenirs, des runes, des pouvoirs de ma propre personne. Bon, obtenir les souvenirs du un vecteur unique d'armure adapté à votre classe et deux missives différentes. Les objets peuvent être fabriqués ou obtenus à l'hôtel des ventes. D'accord. Oh, artisanat légendaire. Les vecteurs de fil. Vous m'avez tout l'air de maîtriser l'art de la couture, mais qui sait, peut-être avez-vous encore des choses à apprendre. Les vecteurs qui renferment le pouvoir des runes peuvent être fabriqués par des mains comme les vôtres. Hélas, je ne peux pas vous transmettre ce savoir pratique, mais il y a peut-être un moyen. Je vais vous confier le souvenir de l'une de mes recettes de vecteurs. Apportez-la à un maître de votre discipline et il vous montrera comment procéder. Comment ça? Ne vous en faites pas. Il ne s'agit que de l'écho de mon souvenir. Celui que vous m'avez rendu reste intact. Apportez le souvenir du rapiéceur au fils à Auribos. Donc le maître de couture à Auribos. Dans les ténèbres, avancez prudemment. Il faut l'arrêter. Ah oui, Sambre d'âme, j'en ai 45. Ah la vache, oh ça va être long. Oh ça va être long. Je crois que je vais farmer. Je vais farmer, hein. Je vais pas trop avoir le choix, va falloir farmer. J'ai l'impression que je m'éloigne quand même de... Je m'éloigne quand même de ma mission principale, quoi. Bon, on va essayer de secourir quelques âmes. Parce que j'aimerais qu'on...
Donc c'est bien ça, ce sont les prisons de pierre. Il n'y avait rien dedans. Tire-toi, 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 tire-toi. Écoutez, je crois qu'on va rester là 2 minutes hein, parce qu'apparemment ça respawn vite. Du coup, on va juste attendre. Hein. On va se mettre là et attendre. Au moins, il y aurait cette quête de campagne là qui va progresser là parce que. Bordel. Oh puis tiens, je ferme des stygies, résultat. Ah, je récupère des stygies à chaque fois que je libère une âme, d'accord, ok. Bon, il reste 2 fois à faire. En vrai, ça va assez vite pour le respawn. Bon, alors attendez, tant que j'y suis. Juste, je vais faire un petit truc. Ce truc là, F2. Ok. C'est quoi? Il y a ça à faire aussi. Par contre, l'intérêt du geôlier commence vraiment à augmenter, par contre.
Les chercheurs vous attaquent à vue. Les tours bombardent votre emplacement, ce qui vous inflige des dégâts. Réduit votre vitesse de déplacement. Prochaine menace, assassinat. Ouais. Ouais, je suis pas... Je me fais repérer, quoi. Je me fais remarquer, quoi.